Salut les sucrés, j'espère que vous allez bien. Et pour cette semaine, je vous propose un moelleux avec un caramel tendre à la vanille. Donc on va voir les étapes petit à petit. On y va pour la recette. Avant de faire notre moelleux, on va commencer par la garniture. On va réaliser notre caramel tendre. Pour notre caramel tendre, on va avoir besoin de sucre, de crème liquide, de lait concentré, de miel ou de glucose, de beurre et de vanille. Pour réaliser notre caramel tendre, on va dans un premier temps faire infuser la vanille grattée avec notre crème liquide. Puis en parallèle, on va réaliser un caramel avec le sucre et le glucose ou bien le miel. Puis une fois que ça aura bien coloré, on va déglacer avec notre crème tiédie et le lait concentré. On va laisser réduire. Puis pour refroidir, on incorporera notre beurre en morceaux. On va passer au streusel. Pour le streusel, on va avoir besoin de beurre, de poudre d'amande, de sucre brun ou de cassonade et de farine. Pour le streusel, rien de plus simple, on va mélanger les poudres avec le beurre. Une fois que ça fait une pâte, on étale, on le cuit à 150 degrés pendant environ 15-20 minutes. Notre moelleux. Pour la recette, on va avoir besoin d'œufs, de jaune, de poudre d'amande, de sucre, de farine, de beurre, de sucre et de blanc. Pour réaliser notre moelleux, on va mélanger les œufs avec les jaunes, les 180 g de sucre ainsi que la farine et la poudre d'amande. On va incorporer notre beurre bien chaud, puis ajouter délicatement les blancs serrés avec le sucre. On va à peu près peser 300 g par cercle, puis cuire le tout à 150 degrés pendant 30 minutes. On va maintenant passer au pochage de notre caramel et à la décoration. Notre moelleux caramel est maintenant fini. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette.